Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Aujourd'hui on va se retrouver pour une dernière vidéo bon plan, un bon plan sneakers à moins de 100€. Donc je procède comme je fais habituellement, je vais sélectionner deux paires par taille. Donc on va aller du 36 au 46, j'ai essayé de faire 47 à la demande de certains, mais j'ai vraiment rien trouvé. J'ai que des paires soit au-dessus de 100€, soit où c'était pas très beau. J'ai essayé de mettre dans cette liste un peu de tout, donc il y a forcément des paires qui vont pas vous plaire. Il y a peut-être d'autres paires qui vont vous plaire. Tous les sites que je présente dans cette vidéo sont 100% fiables, vous pouvez commander les gars, il n'y a aucun souci. On va commencer tout de suite avec une Jordan 4 Retro Sport qui passe à 69€ au lieu de 150€. Elle est dispo sur le site de Corner Street, je trouve l'offre assez intéressante. Il y aurait eu ma taille, je pense que j'aurais commandé, mais c'est une GS, donc une Graduate School, donc il n'y a que des petites tailles qui sont dispo. Donc ensuite, toujours en 36, on a une 97 qui passe à 99€ au lieu de 179€. Il y a encore quelques tailles disponibles de toute façon, même si c'est pas votre pointure. Et cliquez sur les liens quand même si la paire vous intéresse, il y a peut-être encore vos tailles qui sont dispo. Sur le site de Courir, on a une Ultra Boost qui passe à 90€ au lieu de 180€. Donc c'est l'Ultra Boost que j'avais présenté lors de mes achats à Paris au mois d'août. C'est exactement la même sauf qu'il reste que des petites tailles. Donc si vous voulez une Ultra Boost un peu en kaki, je vous la conseille fortement. Donc toujours en 37, on a une QT Support en Prime Knit qui passe à 80€ au lieu de 160€. Moi je trouve que le coloris un peu bleu turquoise comme ça, il passe crème de fou pour cet été. Ça va être des coloris qu'on va retrouver je pense. Ça avec un petit short, un petit truc. Je trouve ça très 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 sympa. Donc toujours on passe au 38, sur le site de Corner Street on a une petite 97 qui passe à 99€ au lieu de 180€. Il reste encore quelques sizes donc n'hésitez pas à commander si le modèle et la couleur vous intéressent. Donc sur le site de Foot Locker on a une Ultra Boost Uncage qui passe à 50€ au lieu de 150€. Donc, il reste quelques tailles, je crois qu'il en reste vraiment plus beaucoup. Donc si vous voulez la paire les gars foncez, il doit rester une ou deux quantités à la taille. Je l'ai quand même mise au cas où si un heureux élu on va dire a réussi à cop la paire, elle est dispo, les liens sont dans la description. Donc toujours chez Corner Street aussi en taille 39 maintenant, on a une Air Max One Jewel qui passe à 99€ au lieu de 150 ou 160, je ne sais plus. Il reste pas mal de size, ce coloris tout noir passera avec tout, ça va être une paire assez sympa je pense, pour l'hiver en rondin comme ça. Donc le lien dans la description, n'hésite pas à cliquer si la paire t'intéresse. Sur le site de Afiu, on a une petite Air Max One Jewel qui passe à 80€ au lieu de 140€. Il reste quelques tailles, donc vous inquiétez pas sur le site, en fait c'est les tailles US, vous restez et vous mettez votre souris sur la taille, ça va vous indiquer la taille en Europe. Donc le lien est dans la description, vous inquiétez pas, c'est un site qui est 100% fiable, c'est un shop qui est en Allemagne, donc il y a zéro crainte, vous inquiétez pas. Donc toujours chez Corner Street en 40, une 97 qui passe pareil à 99€ au lieu de 180€. Je trouve que pour cet hiver, le coloris est très 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 sympa. Moi je changerais bien ça avec un petit jean, tu vois, un peu brut, un peu même un peu délavé, je trouve que ça ferait très stylé. Toujours chez Corner Street, on a une NMD R1 qui passe à 70€ au lieu de 180€. Ils appellent ça coloris zébra, moi je trouve que le coloris est très sympathique, surtout pour cet été où on va vraiment porter du blanc, où ça va vraiment être moins salissant qu'à la période de maintenant avec la neige, la pluie, etc. Et il reste quelques autres tailles, donc n'hésitez pas à cliquer si ça vous intéresse de voir la paire de plus près. Même sur les sites, il y a d'autres photos, si la photo que je mets vous plaît pas trop, vous pouvez quand même cliquer, voir ce que ça donne à peu près. Donc en 41 toujours, on a une Ultra Boost Mid qui passe à 69€ au lieu de 220€, grosse offre de la part de Corner Street. Donc les gars, par contre, si vous voulez les paires, faites vite, parce qu'après la fin des soldes, c'est le 20 février. Donc peut-être qu'il n'y aura plus les offres qui sont dispo. Après, je sais que des fois, Corner Street, il laisse quelques promos, mais c'est pas sur toutes les paires. Donc faites très attention à ça aussi. Donc toujours chez Corner Street, on a une Air Force One, une Special Field Mid, qui passe à 79€ au lieu de 150€. Je trouve que le coloris est très sympa. Si je dis pas de bêtises, c'était le modèle que Tonton Gibbs avait fait en review. Je crois que c'est même le... à peu près le même coloris si je dis pas de bêtises, et elle passe à 80€. Donc si quelqu'un est intéressé par la paire, le lien est dans la description. Toujours sur le site de Corner Street, on a New Balance 996 qui passe à 39€. Je trouve que c'est un modèle simple de fou, mais à ce prix là si vous voulez cop une petite paire vraiment pas chère du tout, bah à ce prix là les gars c'est presque donné, au lieu de 110€ je crois.
en 43 du coup sur le site de Footlocker, au lieu de 109 euros, elle passe à 59,99€, donc 60 euros sur le site de Footlocker, une petite Dunk Low. Moi je trouve que c'est un modèle qui passe avec tout, c'est une petite paire que tu mets comme ça, c'est pas forcément un gros hit, c'est des coloris assez simples, mais je trouve que la paire elle passe avec tout et c'est un modèle très... Toujours chez Footlocker, on a une Air Max Zero qui reprend le coloris Silver Bullet de la 97 qui passe à 80 euros. Il reste encore quelques tailles. Donc si le modèle et le colorway t'intéressent, les gars, n'hésitez pas à cop. Je crois qu'il reste une ou deux paires à la taille. Donc faites très très. Donc en 44, sur le site de Courir, on a une Flyknit Maria Racer qui passe à 80 euros au lieu de 160, donc moins 50. Sans les gars, vous regardez sur le site de Courir, je crois, la dernière semaine, là, il n'y a que des paires à moins 50%. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site, même sur tous les sites que je dis, il y a d'autres paires, il y a plein d'offres, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Toujours sur le site de Courir, on a une Jordan Spiza qui passe à 80 euros au lieu de 160 euros. Le coloris rouge et blanc, moi, j'adore, je trouve le modèle assez sympa. Donc en 45 maintenant, sur le site de Corner Street, on a une Air Force One un peu gris qui passe à 65 euros. Sur le site de SNKRS, on a une One Star Mid qui passe à 47,50. Moi je kiffe ce modèle chez Converse, les gars. Après en Mid, j'ai jamais vu en vrai. Faudrait peut-être que j'essaye un jour, mais la promo est assez intéressante, donc j'ai décidé de l'inclure dans ma liste. En 46, sur le site de Courir, on a une NMD R2 Prime Knit, passe à 90 euros au lieu de 180, offre très intéressante, comme je l'ai dit tout à l'heure, moins 50 sur toutes les paires sur le site de Courir. Et du coup, pour finir aussi, sur le site de Courir, on a une Janoski Max qui passe à 65 euros au lieu de 130. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, dernière vidéo bon plan de cette période solde, on va dire. Parce qu'après du coup c'est fini. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo aux commentaires, si vous avez cop des paires, etc. Votre avis m'intéresse. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter. C'est tout le temps Birusnik. Donc si tu me cherches quelque part et que tu vois qu'il y a Birusnik, normalement c'est moi. Et n'hésite pas à mettre un gros like et à t'abonner. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos.